je suis bien arrivée au puits. Je suis sur le départ. Je suis très très émue. J'ai fait s'y tamponner ma créanciale. Je vous montrerai plus tard. C'est une espèce de passeport du pèlerin. Et voilà, je vais partir. Cette descente de la cathédrale est émouvante. C'est comme un tunnel. Faire quelque chose de différent. Donc j'y vais. Aïe, j'ai quitté le puits. Ça grimpe un peu quand même. Hein. C'est en ville. C'est grimpé, ouais, un peu dur. Et surtout mon sac était super mal fait. Donc je me suis arrêtée sur un banc 5 minutes avec toi là. Non bref, je me suis arrêtée sur un banc pour tout refaire, boire un petit coup et puis manger quelques fruits secs. Voilà, j'avais mis un peu trop de poids sur le haut, en particulier mon dos. Il faut vraiment que je glisse derrière mon dos, donc c'est ce que j'ai fait. Ça va beaucoup mieux. Je suis sur un chemin. Voilà. Il n'y a pas grand monde, quelques personnes comme ça qui se promènent. Il fait très beau, j'ai chaud. J'ai mis la crème solaire parce que là, je vais cramer sinon. Allez! Drôle, mon appareil photo il se déclenche tout seul au son et parfois je me casse le cul à lui dire allez vas-y filme, et en fait il filme pas, et quand je lui demande pas il part. Bon. Alors je suis à Dolaison et c'est super mignon. Ça rime, la petite chapelle là, enfin je dis une chapelle, c'est une église, hein. Elle vaut vraiment des points, elle est très belle, j'ai fait des photos. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et c'est là où la magie commence à opérer. Alors moi je m'en fous, hein, des bondieuseries, machin. Je suis passé, il y a longtemps que j'ai oublié de croire. Mais je suis toujours très respectueuse de... Ça m'a fait peur. Des environnements religieux. Respect du patrimoine. Respect pour tous ces gens qui ont pu construire ça, puis bon, pour ceux qui croient aussi, hein, c'est bien. Ce qui n'est plus mon carré. Alors regardez les pierres, c'est trop beau. Je vous dirai un peu plus ce que c'est, je sais pas, moi, bon, j'ai vu dans un bouquin, mais voilà. Et donc j'ai à peu près fait 12 bornes ce matin, depuis que je suis partie du puits. Et voilà, c'est tranquille. Là, j'ai... ça grimpait bien après le puits, mais là ça va être un peu plat jusqu'à la prochaine étape, ce qui sera pas un mal. Le poids du sac pèse, c'est sûr. Déviation en cas de forte pluie. Ben non. Aujourd'hui, non. Par contre, celui-ci de petit chemin me fait bien plaisir avec un peu d'ombre. Parce que là, j'étais en plein cagnard. Allez, mon bonnet. À tout à l'heure. Bon, finalement, pas trop d'arbres. C'est plutôt étroit. Ça griffe un peu les bras. Mais tant que le sac à dos passe, Fanny passe. Voilà. Bon, ces kilomètres là,
sont un peu longuées. En fait, tu as découvert quasiment non-stop le soleil sur ma gauche. Donc je cuis et là il y a un peu de bitume. Donc ce que j'aime pas trop quoi. Et là ça chauffe. Je pensais trouver un point d'eau tout à l'heure. Alors certes il y en avait un, un Romousse Cool ou je sais pas quoi. Mais eau non potable à la fontaine. Donc bon, je me suis rafraîchi mais je peux pas boire quoi. Je prends pas de risque. Et puis je n'ai pas eu envie de regarder plus que ça dans le village. Donc là je suis reparti en direction de mon bonnet. J'ai plus que allez, 1 km et quelques à faire. Oh là là, j'en rêve. Merde. Tu parles d'une fontaine. C'est tout crado. Bon, bien, on réfléchit. Yes, je viens de me prendre un petit bain de pied. Enfin, quand je dis bain, non, pardon, je me suis fait une espèce de douche avec un tuyau qui remplissait un truc là pour les vaches. J'ai pris l'eau, le tuyau. Je me suis lavé les pieds, waouh, c'est bien, c'est frais. Et puis le gars qui appartenait la citerne, voilà, c'est une citerne, est venu la récupérer. On a discuté un petit peu et lui aussi a fait Compostelle il y a quelques années. Il trouve ça chouette. Il dit qu'effectivement il y a beaucoup de femmes seules sur le chemin, qu'on est plus courageuses que vous les mecs. Bon, bref. C'était super, j'ai mouillé mon bœuf là, je me sens fraîche, même si je ne suis pas lavée partout, au moins les pieds ont pu se rafraîchir un peu. Je vais aller trouver un snack pour aller manger, il n'est pas tard, hein, il est 6h-10, puis après je ne sais pas trop encore, je vais continuer peut-être après mon bonnet pour aller me coucher dans la nature. Alors, ouf, je cherche un spot pour dormir, et je l'ai peut-être trouvé. Bon, ah, pas mal, un peu à l'abri, certes, c'est sur le chemin, donc dans le genre discret, c'est pas bon. Mais bon, ça me plaît.